Bonjour, nous revoilà au centre de loisirs des 3 à 5 ans pour cette deuxième semaine de vacances. Alors comme vous pouvez le voir, nous allons revenir très musclés et surtout en pleine forme. Alors de votre côté, j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches. En attendant, qui dit deuxième semaine dit forcément de nouvelles petites têtes et je vais vous les présenter. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 48 ans, je suis animatrice. Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 3 ans. Bonjour, je m'appelle Romain et j'ai 4 ans. Bonjour, je m'appelle Romain. Je vous rassure, après ce petit incident, mon portable va très bien. Pour la suite de la vidéo, nous allons vous présenter l'histoire qui a été faite et mise en scène par les enfants. Alors, cette petite histoire s'appelle La visite au rigoloso. C'était une belle journée d'avril. Nathalie emmène les enfants au zoo. Si on allait au zoo, les enfants? Les voilà arrivés devant. Ils se garent sur le parking du zoo. Où toi aussi, tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Bienvenue au zoo. Regardez là-bas, il y a une mare. Mais les enfants étaient tout tristes. Ils voulaient voir des animaux plus féroces. Et les voilà arrivés devant l'enclos des... Et maintenant, ils voulaient voir des animaux plus gros. Alors oui, ils étaient très gros, mais pas très grands. Il ne manquait qu'une seule chose aux enfants, des animaux drôles. Les enfants rentrèrent très rapidement, car c'était l'heure du goûter. Un des gros avantages à cette période avec des faibles effectifs d'enfants, c'est le midi. Et oui, parce que qui dit peu d'enfants dit surtout peu de repas à servir. Et donc les agents de restauration peuvent nous faire des repas avec des superbes présentations. Et on dit quoi ? Bon, il y a aussi quelques inconvénients, comme le lavage des mains. Alors oui, il faut qu'il soit fait beaucoup plus régulièrement. Mais bon, on profite de la situation pour faire un bon apprentissage aux enfants. Et on va vous montrer une petite méthode toute simple pour savoir si les enfants se lavent bien les mains. Donc c'est tout simple en fait, il suffit juste de mettre
une petite noisette de peinture foncée de préférence dans les mains des enfants. Et les enfants ferment les yeux, se frottent les mains, comme s'ils avaient du savon dans les mains, sauf que c'est de la peinture. Et à la fin, il faut leur faire le petit retour, donc leur montrer leurs mains et leur montrer là où ils ont mal nettoyé. Et en profiter pour leur montrer la technique pour nettoyer justement les endroits qu'ils auraient pu oublier. Top, on tend les mains, on ouvre les yeux. Viens, viens rejoindre tes amis.